Ils ont des différences. Ça n'a pas d'importance. Ils sont plus forts quand ils sont ensemble. De vrais amis, Tib et Tatou. Tous les jours, ils vivent des aventures. C'est la vie de Tib et Tatou. Ce n'est rien, belle Cro-Magnonne. Je viens vous secourir. Ouais, tu vas y arriver. Vous voilà hors de danger. Oh, merci, mon héros. C'était une histoire magnifique et tellement romantique. Allez, les enfants, tout le monde au lit. Ouais, quand il y avait le tigre et tout, c'était pas mal. Mais là, quand il y avait le truc du bisou, là, bah... Moi, j'ai bien aimé l'histoire. Ouais, c'était cool, mais ça manquait de musique. Ah, j'aimerais tellement que tu sois mon héros. Tib, l'histoire de tes parents m'a donné une idée. Retrouve-moi demain à la grande falaise, je t'expliquerai. Mais ça doit rester notre petit secret, ok? Eh, hey, vous faites quoi, vous deux? Vous vous racontez des secrets, c'est ça? Non. Allez, viens, on va se coucher. Bonne nuit, Tib. Notre secret. Notre secret? Tu te rends compte? Elle veut forcément me dire qu'elle est amoureuse de moi. Enfin, au moins un petit peu. Ça va, là? Comment tu me trouves? Et mon haleine, ça va? Oh, berk! Oh, au moins la mienne, elle peut pas être pire que ça. Agile, mais tant pis, on fera avec. Tu sais, il était même pas venimeux, ce serpent. Tu vas où? Bah, en fait, j'ai un truc à faire. À plus tard. Bon, t'arrêtes un peu de me suivre. Bah, Tib, bien sûr que non. T'es mon héros maintenant. Alors, on doit plus jamais se quitter d'une petite peau de bête. Tu sais, le spectacle d'hier, c'est qu'une histoire, hein. Je suis pas ton héros. Alors, salut. Et si je me retrouve face à un tigre en rentrant au village et que toi, t'es pas là pour me sauver? Dans le sabre ne traîne jamais par ici. T'inquiète pas. Mais j'ai tellement peur. Me laisse pas rentrer toute seule, s'te plaît. Bon, c'est d'accord. Mais on fait vite alors, hein. Avec Tib. Hé, hey, Lily, t'as perdu un pari pour rester collée à face de tâche comme ça. Hé, hey, personne ne parle de mon héros comme ça. Ton héros? Non mais t'es sérieuse là? Lily, j'ai composé un nouveau morceau. Tu viens l'écouter? Il est vraiment trop cool. Oui, peut-être plus tard. Oh, Tib m'a sauvée d'un serpent gigantesque et super venimeux. Il a tellement de courage. C'est tellement la honte. Ils sont amoureux.
perdue toute la matinée. Je sais, mais... Ne te fatigue pas et reste avec Lily. Apparemment, vous êtes devenus inséparables. Oui, ça te pose un problème, la frisure. Non, Dora, attends. Attends-moi là. J'enfile un panier propre et on pourra aller jouer tous les deux. Des heures et des heures. Oh, super. Tara, je suis désolée, c'est Lily, je l'ai sauvée. C'est quoi cette histoire avec Lily? Cory? Elle est là, Tara? Elle est partie se balader dans la forêt. Je peux venir avec toi pour la chercher si tu veux. Tatoum, faut absolument que tu m'aides à trouver Tara. Allez, viens. Est-ce que je peux savoir ce que tu fabriques? T'étais censé m'attendre. C'est pas contre toi, mais avec Tatoum, on a un truc à faire. On est amoureux, Tib, ok? Alors on reste ensemble tout le temps. Et c'est tout, t'as compris? Super. Viens, on va cueillir des fleurs dans la grande prairie. Oh non! Prends pas celle-là, elle est toute fanée. Prends celle-là plutôt. Et celle-là? Celle-là, je te dis. Franchement, ce serait pas plus simple que tu les cueilles toi-même? Sûrement pas. C'est le héros qui doit s'en charger pour ensuite offrir le bouquet à sa belle. Hé, Lily! Tiens, c'est pour toi. J'ai composé une jolie chanson sur les fleurs. Écoute, elle est grave cool. Waouh! Il est magnifique, ce bouquet. Tu vois, c'est quand même pas compliqué. Ça règle le problème. Il n'a qu'à être ton héros. Il fait des jolis bouquets, des chansons d'amour. Il est cool, il a des cheveux comme tu aimes. On voit que vous êtes faits l'un pour l'autre. L'amour, ça marche pas comme ça. C'est toi qui m'as sauvée, alors c'est toi, mon héros. Mais Gilles... Moi aussi, j'aurais préféré Gilles. Au moins, lui, il a pas de dino qui pue la prune pourrie. J'en ai marre, je veux plus le voir. Tu vas devoir choisir. C'est Tatoum, Tib, ou c'est moi? Bah, Tatoum? Quoi? Je vais aller raconter aux parents comment ton dino m'a attaqué. Et ils vont le chasser pour de bon cette fois. Mais ça va pas, la tête? Il t'a même pas touché. Peut-être, mais en amour, tous les coups sont permis. Lily, attends! Bon, d'accord, d'accord. Je serai ton héros rien qu'à toi, mais par contre, je voudrais que tu m'accordes une faveur. Une seule. Je t'écoute. Laisse-moi un peu de temps avec Tatoum. C'est mon meilleur ami et je veux profiter de lui une dernière fois. Avant de lui dire au revoir pour toujours, s'il te plaît. Bon, ok. T'as jusqu'au coucher du soleil, pas une minute de plus. Ouf. Alors tu vas vraiment te séparer de Tatoum? C'est pas cool. Tu rigoles? Jamais. C'est toi qui vas me débarrasser de Lily. Pour de bon. Hein? Bah ouais, il faut que tu la sauves pour me remplacer comme héros. Ok. Bon, je répète. On s'arrange pour que Tatoum attaque Lily, puis toi, tu t'interposes et lances discrètement une prune à Tatoum pour qu'il arrête de la suivre. Et comme ça, Lily pensera que tu lui as sauvé la vie, compris? Ouais, d'accord, je vois le truc. Faudrait peut-être mieux s'entraîner un peu, hein. Je vais te manger. Je suis le très méchant Tatoum. Non, tu dois venir me pousser. Ouais, relax, déstress. Relax, je vais le faire, d'accord? Je peaufine ma coiffure, c'est hyper important. Faut que je sois le plus beau. On n'a plus le temps. Va falloir passer à l'action. Et pour de vrai. Hey, Lily. Alors, t'as dit adieu à ton dino? Oui, il faut juste que je lui donne une dernière fois à manger. Allez, Tatoum, attrape-moi. Oh là là, je suis tellement maladroit. Tu pourrais faire attention. N'aie pas peur, Lily. Je vais te sauver. Lily! Lily! Oh non! Tiens bon, Lily!
Lily! Quoi? Merci Lily, t'es trop forte. Mais et toi, qui est-ce qui t'a sauvé de la rivière? Bah personne, il suffisait de savoir nager. Waouh, et bah tu nages vachement mieux que nous alors. C'est vrai que je me sauve très bien toute seule en fin de compte. J'ai pas besoin de héros. Mon héroïne, Lily, attends-moi. Et du coup, Lily a cru que j'étais son héros et elle m'a pu lâcher. Sinon, je serais venue au rendez-vous, promis. Bon, d'accord, je te pardonne. Et alors, du coup, c'est quoi cette idée dont tu voulais me parler? Ce truc très important? T'as le droit de dire non, mais c'est bientôt l'anniversaire de Cory et ça lui ferait plaisir si tu lui faisais un bisou sur la joue. Cory? Oh, ok, c'est d'accord. Merci, c'est vraiment sympa. À plus tard, Tib. N'empêche, ça fait vraiment du bien de plus être le héros de quelqu'un. Personne à supporter, personne à venir sauver. Ok, j'ai parlé un peu trop vite, je crois. Bon, par contre, pour l'énorme bisou baveux, t'étais vraiment pas obligée.